Lily Lampion sur scène à partir du 22 octobre. Le samedi à 14h, le dimanche à 11h. Et pendant toutes les vacances scolaires de la Toussaint, novembre, et de Noël, décembre, au Théâtre de Paris. Trouvé par Amanda Stier. C'est joli d'ailleurs, hein, comme c'est écrit sur ce carnet, le carnet secret de Lily Lampion, ce qui permet de communiquer avec les enfants, ce qui permet d'amuser les enfants. Le spectacle est ludique quand même, parce qu'il faut quand même qu'on arrête de dire c'est tout. On rigole beaucoup avec des choses graves, voilà. Comme dans, tout, la dans maladie. Toutes les pièces de théâtre. Alors la maladie, ouais, c'est un point de départ. Effectivement, il y a l'exclusion aussi, puisqu'il y a ces deux petits Chinois que personne ne voit sauf les enfants qui sont là, qui arrivent à New York en pensant qu'ils arrivent au pays de l'espoir où tout est permis et qui se rendent compte que les choses ne sont pas si simples. Je me moque même de la sécu dans le livre où ils disent qu'elle comprend qu'en fait il faut payer pour que son petit frère ait les soins dont il a besoin pour survivre et que ce n'est pas si simple. Donc voilà, je pense que ce qui m'a amusée, c'est aussi qu'il y ait plein de degrés de lecture comme il y a maintenant dans Shrek ou dans tous ces trucs Pixar où moi je me marre pas forcément aux mêmes endroits que mes enfants. Je voulais que les parents puissent, et c'est aussi l'idée je pense de la musique, quoi, puissent s'amuser aussi. Le divorce aussi évidemment, enfant de divorcé, vous êtes une famille vous-même recomposée. Vous êtes vous-même enfant de divorcé ou pas, Sinclair? Tout à fait. Ouais. Ouais. Les deux. Tous les deux. On a reproduit le schéma. Alors, est-ce qu'on reproduit le schéma justement, vous pensez ça? Non, j'espérais pas, je suis arrivée avec des illusions. Je reproduis pas le schéma dans le sens où chez moi c'était un peu Kramer contre Kramer et que je m'entends bien avec mon ex-mari, que c'est simple. Donc je pense que voilà, et puis que c'est devenu quelque chose malheureusement de très commun, alors qu'à l'époque j'étais une des seules enfants de divorcés. Enfin, ça va se gâter là maintenant que vous avez dit à la France entière qu'il était gay d'après l'application. Non mais quand j'ai fait le test pour savoir s'il était juif, il l'était pas. Donc, En tout cas, c'est vrai que c'est un bon moyen d'abord ce sujet pour les enfants, Lily Lampion. Vous trouvez que c'est un spectacle qu'il faut aller voir? Oui, mais c'est une histoire très, très mignonne. Hein. Cette façon que vous avez eu de raconter à vos enfants ce qui était en train de leur arriver, la séparation, etc. Et en même temps, vous l'avez écrit, vous l'avez dessiné. Alors, c'est pas moi qui l'ai dessiné. On l'a dessiné au début, mais là. Voilà, on regrette presque de ne pas avoir la version Chavouille originale. Qui a un talent fou. C'est son premier livre pour enfants, mais. Le premier qu'elle a fait. On regrette presque de ne pas avoir la version originale, parce que j'ai de la façon dont vous en parlez, on a vraiment envie de. Le vrai carnet secret. Elle avait changé son écriture, la couleur, elle a collé des photos. C'est pour ça que j'ai voulu garder le trouvé par Amanda Stier, parce que j'aurais bien voulu même ne pas mettre mon nom. En revanche, c'est comme il faut communiquer, il fallait bien quelqu'un pour aller défendre le personnage sur un plateau. Mais c'est vrai que j'aurais adoré que ce carnet existe en moi et j'espère que très vite Lily Lampion existera sans moi. Qu'on vous oublie et qu'on connaisse plus Lily Lampion. Un mot de Natacha ? Oui, moi j'ai trouvé aussi ça très joli et surtout toute la partie qui concerne la maladie de l'enfant. Alors c'est peut-être parce que je suis moins touchée par les questions de famille recomposée encore que, mais c'est surtout que j'ai trouvé que là, il y avait une sensibilité, une façon d'aborder des thèmes très, très durs, très difficiles, qui étaient extrêmement délicates et qu'on retrouve d'ailleurs dans l'ensemble de l'objet, c'est-à-dire c'est un objet qui en soi est très délicat. Alors la seule question que je me pose, c'est est-ce que vous allez faire comme ça se fait souvent pour les personnages pour enfants déclinés, c'est-à-dire est-ce qu'on risque de se retrouver avec Lily Lampion sous toutes ses formes, les 250 aventures de Lily Lampion, ce qui me ferait un petit peu de la maison de Lily Lampion, les figurines, les jouets, une suite, les préservatifs, une suite, c'est sûr que non, c'était pas l'idée. Enfin voilà, une suite, c'est sûr que non. Maintenant, quand je demande à des gens de prendre le risque d'investir dans une comédie musicale sur une scène avec autant de chanteurs, de musiciens, ça coûte très cher à faire. Je pourrais pas les empêcher de définir le personnage, mais c'est pas voilà, enfin pour l'instant au début l'idée c'est un beau spectacle, c'est donner envie aux enfants d'aller au théâtre, d'y retourner, d'aller à Toulon bientôt. C'est une démarche assez particulière parce que moi je me suis permis de faire de la musique qui ressemble pas à de la musique pour enfants. Alors j'allais vous demander quel genre de musique vous avez fait. Il n'y a pas pire que les spectacles pour enfants et de la musique dite pour enfants. Moi j'ai emmené ma fille une ou deux fois, j'ai eu envie de me pendre. Et elle aussi. Elle me disait c'est vraiment chiant. Pardon, parfois elle emploie des mots comme ça. Mais on s'est retrouvé donc dans ce cas de figure de chansons qui sont des chansons qui pourraient être des chansons pour adultes dans la forme. Moi je suis allé très loin dans les arrangements. C'est Gershwin parfois,
Voilà, c'est très chargé, c'est West Side Story, c'est parfois moderne, mais le propos est pour enfants. Donc c'est pour eux, et je sais que les enfants, parce qu'on en a, ils aiment quand on leur parle clairement. Moi, les chansons sont très claires et les arrangements, par contre, vont très loin. Donc je sais que les parents vont sortir de là en disant... On s'est pas foutu de notre gueule. Vous en avez combien, vous deux, d'enfants, alors? Nous deux, on en a trois. Trois, pas et encore quatre, ensemble. Quatre avec Lily Lampion. Pas encore. Votre seul enfant, c'est Lily Lampion, pour l'instant, à vous en commun. Qui m'a permis de faire un enfant sans prendre un kilo. Ah, c'est pas mal. Mais vous y pensez? Bah oui, on y pense, mais c'est pas tout de suite. Mais il faut vérifier. Ah, pourquoi pas tout de suite? Parce que déjà, trois à la maison, c'est beaucoup. Ah oui? Mais un jour, oui. Un jour. Mmh. Bah, on va d'abord vérifier, parce que moi, je voudrais pas que vous lanciez dans un quatrième enfant et un enfant en commun, sans que vous savoir si vous vous connaissez vraiment. Ah. Et donc, vous allez évidemment devoir l'un si et l'autre... Si on se connaît vraiment, on n'en fera jamais. Il faut pas se connaître vraiment. Ah ouais, pour faire des enfants? Bon, quand même, là, on va vérifier quelques questions, Amanda. Par exemple, dans quelle ville est né Sinclair? Oh là là, il est né à... Je sais, je l'oublie parfois. Ouais, non, mais une ville de province. Attends, c'est pas Poitiers, c'est un truc comme ça, genre... Pas loin. Je sais plus. Mais c'est un hasard des vacances. Je suis allé. Attends, j'essaie de fermer les yeux, de visualiser le passeport, mais je... Non. Tours, il est né à Tours. Ah non, ça c'est pas bien, il va falloir s'en rappeler quand même. Quel est son signe du zodiaque, Amanda? On peut pas l'oublier, c'est un bélier. Très bien, ça lui fait un point pour lui. Amanda. Amanda, complétez les paroles de la chanson, dernière chanson qu'on connaît de Sinclair. Ça tourne dans ma tête. Autour de ma tête, une chose en elle me fait grandir, les vies qu'on regrette. Mais moi, je sais plus. Les vies qu'on regrette. Finissent par revenir. Aïe, presque, finissent en souvenir. Regardez. Ah, c'est pas loin. Autour de ma tête, une chose en elle me fait grandir. Les vies qu'on regrette finissent en souvenir. Voilà, finissent en souvenir, je suis désolé. Hein. Sinclair, Amanda, elle est plutôt Rolling Stones ou plutôt Beatles, à votre avis? Elle est très, très Rolling Stones. Mais je crois qu'elle est plutôt Beatles. Ouais, en fait, je suis plus Stones dans l'imagerie populaire qu'il dégage. Je préfère les Bad Boys. Je suis désolée, mais je n'ai jamais entendu un morceau de Beatles à la maison. Musicalement. Ouais, mais c'est parce que j'écoute de la musique sans toi, par exemple. Quoi? Aïe. J'ai l'impression d'être Tex dans Les Amours. Question à Amanda. Qui est Arsène Pigalle? Arsène Pigalle, c'est le nom de scène de Mathieu, un de ses premiers noms de scène. Ah bah voilà, ça fait un point, bravo, son premier pseudo. Enfin, un nom de scène avant que je fasse de la scène, avant que je fasse quoi que ce soit d'ailleurs. Votre premier pseudonyme. Ouais, c'était dans le vide parce que je faisais pas grand chose à l'époque. Sinclair, quel est le nom du langage qu'Amanda a inventé avec son frère et sa sœur? Oh, les picoutoirs. Bravo, picoutoirs. Oh là là, c'est bien pour lui. Un deuxième point. Amanda, en quoi Sinclair, ou plutôt en qui Sinclair est-il déguisé dans le film Le premier jour du reste de ta vie, dont il a aussi signé la musique? Tu joues un DJ, non? Un quoi? Tu joues quoi? Non, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai vu Le premier jour du reste de ta vie avant de le connaître et je n'ai pas fait gaffe. Donc je l'ai vu à posteriori. Charles? Un livreur, non. Non, c'est pire que ça. Allez-y. Il va y avoir de l'engueulade dans la voiture. Il y a une Gilles Lelouch en jamaïcain. Ouais. Mais toi, je suis déguisé en Angus Young. Et c'est un des guitaristes des CDC. Ah, voilà. Ah oui, dans le concours acteur. De air guitare, là. C'est même ça, je joue faux. Vous êtes meilleur musicien que comédien. Je suis une catastrophe en comédien. Sinclair, qui a mis en scène au départ le vieux juif blond de la pièce d'Amanda Sterz en 2006? Au départ... C'est ce monsieur de théâtre. Ouais, avec Mélanie Thierry. Weber, c'est ça. Jacques Weber. Jacques Weber. Ouais. Ah, mais Jacques Weber, mais il ne le savait pas. Jacques Weber, zéro. Si, ça me revenait. C'est un couple qui va mal. Amanda, dans quel lycée Sinclair a-t-il suivi toute sa scolarité? Je sais, à Janson-Sailly. Très bien, ça fait enfin un deuxième point. Est-ce que je peux raconter l'anecdote? Allez-y.
Je le sais parce qu'un jour, il a eu très envie d'aller aux toilettes et on était à côté de Jean Sonsaï et il a garé la voiture en double file et il est remonté dans son lycée. Au moment où la cloche a sonné, il a vu tous les élèves qui se sont dit « qu'est-ce qu'il fait là ?» Le chanteur. Et il a croisé sa prof de français de l'époque. De philo de l'époque. C'est comme ça. Il a dit alors encore aux chiottes. Une question à Saint-Clair sur Amanda. Quel est le nom de son premier livre pour enfants, Amanda? C'est le truc avec le chat bleu, c'est ça. Hein. Bravo. Ah, ouais, ouais. Le chat bleu. Le chat bleu et l'oie, je sais pas quoi. L'alouette. Et l'alouette. Et ensuite, un oiseau. Encore un animal. Et l'alouette et le renard. Non. Non. Et le canard timide, zéro point encore. Oh là 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 là. Non, mais Amanda, où sera-t-il Saint-Clair le 6 mars 2012? Oh, à mon avis, au Zénith. Au Zénith, bravo. Ouais. C'est bien. Et dernière question, Saint-Clair, comment s'appelle l'héroïne de son roman Kesmé? C'est le seul que t'as lu, alors concentre-toi. C'est le seul que... Mais je l'ai oublié, alors, celui-là. Il était très très bien. Non, il y a un problème avec André les noms. Je retiens pas. Ouais, c'est ça. Ah oui. Bon, bah alors écoutez, la gagnante est donc finalement Amanda. Non. Trois points à deux. Elle nous a rattrapés sur la fin. Ce qui compte, c'est votre succès commun en librairie. Ça, c'est toute seule, puisque Saint-Clair n'a pas pu faire quoi que ce soit en termes de musique sur un livre, c'est certain, mais c'est en librairie, là, à la mi-octobre. Et puis, à partir du 22 au Théâtre de Paris, le spectacle musical Lili Lampion, les samedis et dimanches pour les enfants. Et du mardi au samedi pendant toutes les vacances scolaires. Merci Alain et à l'autre. Je vais rejoindre vos places.